Eh bien, salut à tous, salut à toutes, et c'est Croco. On se retrouve pour un colis de DHL de la mort qui tue. C'est du pur colis. Allez, je vous montre direct quelles sont les équipes. Alors, il y a Dior, Sacrior 200, et Chizen Junior, Sfeka 200, Kabivirus, et Capflip 200. Et avec moi, j'ai Xelor 196, Feka 199, et Sacrior 199. Et oui, et comme dit déjà le Feka, ils peuvent nous baiser. À l'érosion, même si c'est un gros mot, ce n'est pas bien, Nicorial, il ne faut pas dire le gros mot. Mais voilà, oui, ils peuvent nous tuer à l'érosion, et donc ça va être le petit problème. Sinon, je voulais vous dire que j'ai un nouveau stuff qui est axé PVP et PVP multi, donc je vais vous le montrer vite fait. Regardez, et oui, c'est des magnifiques résistances, vous voyez, 27, 27, 24, 24, 17 en pourcentage, ainsi que 65, 54, 54, 49, 30. Il reprend sa respiration. En résistance fixe, et pendant ce temps-là, Kabivirus nous fait une odora qui lui rajoute 0 PA et 0 PM. C'est parfait. C'est parfait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le bonus PA PM, tandis que nous, on va avoir 2 PA supplémentaires. Donc vous voyez, je suis en 11-6, la Xel est en 10-6, le Feka est en 12-6, et en face 12-6, 11-5, 11-5. Est-ce qu'il serait pas en 11-5 à cause d'une... Non. Non, non, ouais, non. 11-5, 11-5, ils ont décidé de se mettre en 5. C'est vrai qu'en PVP multi, les PM sont moins importants qu'en PVP solo. Donc je les comprends un peu. Attendez, là, je vérifie vite fait que tout marche bien, là, parce que j'ai dû lancer le combat à l'arrache. Ouais, c'est bon, tout marche bien. Normalement, vous m'entendez. C'est le principal. Voilà, donc là, on va se préparer. Donc, elle nous a donné les PA. Ensuite, on va se mettre... les boucliers, et oui, forcément, Kabivirus n'a qu'un seul rôle dans ce combat. Réflexe, 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 jouer à l'érosion. On n'a pas de debuff, alors que... et on n'a pas d'érosion. Donc on est vraiment mal parti pour ça. Je sais pas trop comment on va faire. Hein. On n'a pas de debuff, ouais. Attendez, je vais mettre le canal, désolé, je vais mettre le canal groupe, les amis. On n'a pas de soin, mais on peut leur empêcher de... Ouais, je sais pas trop ce qu'on peut foutre, là. Ça va être chaud, hein. Je sais pas trop comment on va jouer. Moi, il faut absolument que j'ai un cac automail, donc... ça arrange, vu que c'est qu'un seul coup de frappe, ça passe au-dessus des coups. C'est vrai que c'était mal joué de coop, un sacré vu qu'un sacré peu coop. C'était un peu cool, c'est vrai que quand j'y pense, je sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais regardez là, c'est parti. Kabivirus qui commence direct, il va jouer, et voilà, érosion direct, hop, sur les deux. Oui, normal. Ah ouais, mais non, là, ça va pas le faire, ça. Ouais, bah, dis donc, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini, là. Je le sens pas trop, le combat. Je sais pas trop comment on va le gérer. Mais vous voyez, là, avec deux Feka, c'est un peu la galère. Il nous aurait fallu un debuff, quoi, tout simplement. Ça, c'est bien joué. On va se mettre en mode tactique, même si la map est pas trop dérangeante. Voilà, le cadran qui va enlever des esquives PA à tout le monde, qui va permettre de pouvoir retirer des PA plus facilement. Ça, c'est bien. Pas trop mal.
Yannick Courriel, vous voyez qu'il joue vraiment très bien. C'est vraiment un bon FK. Il est largement plus fort qu'Etchison Junior qui est en face. Donc on peut espérer des choses parce que voilà, il gère vraiment. Donc là on essaye d'enlever des PA à l'Ekaflip pour qu'il fasse le moins de réflexes possible. Pendant qu'on va le Rox en même temps. Donc voilà. Voilà un peu l'objectif. Voilà, lui vient de faire un EC, c'est pas mal. De toute façon, ils ont. Ouais. Pas mal, c'est moi qui fais le plus de dégâts. C'est pas mal du tout ça. J'ai fait des dégâts intéressants. On reprend espoir là, je pensais pas que j'allais taper autant sur les 3. Ça fait 190 x 3 sur tout le monde. Ah, bim, qu'est-ce qu'a fait la roulette, j'ai pas vu. 450 agilité, ok. Ah donc là il essaie de me retirer PA, génial. Génial, il a rien fait dans ce tour. On reprend espoir là, ça joue bien. Râle bien Excel, ouais. C'est nickel. Oh putain, il n'arrive pas à faire les deux sur le vol du temps. Ça c'est chiant, on n'a pas de chance. Allez, putain, toujours un. Ça fait chier. Bon, allez, un petit ralentissement. Bon, nickel, 3. Occupe-toi des autres maintenant. Nickel, nickel. On reprend espoir là. C'est, voilà, donc eux ils jouent à l'érosion tandis que nous on joue au Rox pur vu qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'érosion. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'érosion, c'est les points de vie insoignables en fait. C'est un peu pour les petits genoux qui regardent ma vidéo. What did you? Les petits genoux. Non. Oh là là. Voilà, c'est les points de vie insoignables. Donc si vous voulez regarder, par exemple, vous regardez que j'avais. Non, bah pas moi. Parce que j'ai pas été touché. Iné Courriel avait plus de 4200 PV et là il a 3900 PV max, donc en fait c'est la vita insoignable tout simplement. Et donc voilà, donc ça descend et au bout d'un moment en fait il sera à 100% de vita, mais il aura par exemple que 500 PV, ce qui fait qu'il peut se faire tuer en un coup alors qu'il était à 100% de vita. Voilà tout. Donc là il fait des bâtons parce que ça lui permet de... Tiens, mais pourquoi il tape autant hein? Bon, je comprends plus. La fraction, il n'y a plus. Retour du bâton. Dio. Ah oui, il n'y a que Dio qui se fait toucher. Étrange. Moi, je vais continuer mon travail sur. Sur KB Virus. Hein. Je pense qu'il va faire mal mon travail sur KB Virus. Pendant qu'ils essayent de taper l'Axel, apparemment. Bon, je sais pas trop ce qu'ils font, ils ont un peu de mal, je crois. Et voilà, il se fait tacler, c'est mal joué. Ah non, c'est bien joué. C'est bien joué ça. Mais putain de cadran! Allez hop, on va se mettre en mode créature. Voilà, donc le KB Virus qui a perdu pas mal. Attends, la roulette. 55 retrait PM, donc ça intéresse personne. Ah, il fait chier, il continue à m'enlever PA avec son attaque. Mais d'un côté, il joue pas, donc c'est vraiment pas mal. Il ne peut plus faire d'érosion. Et là, il s'est caché pour pas qu'il lui enlève des dégâts. On lui enlève des PA, pardon. J'ai n'importe quoi. Je sais pas trop comment on va s'occuper l'œil toxique, surtout qu'il est qu'à 10 PA. Il faudrait qu'elle fasse dévouement, j'en ai pas trop besoin. Ok, donc elle décide de ralentir. C'est chaud. Hop, donc voilà, donc lui il est à peu près ralenti. Il tape qu'une fois. Putain, il s'est fait tacler par l'aiguille quoi. Je veux pas dire la honte, mais... Ah non, chaton, pardon. Putain, mais il a une super esquive ou quoi lui?
Il arrête pas de tout esquiver, tu sais. Ok, nickel, j'ai reçu un peu de dégâts. Mais qu'est-ce que je fous à 9 PA? Ah ouais, putain. Moi, ce que je vais faire, vous voyez là, ça va être très tactique, c'est qu'en fait je vais remettre les gens. Donc lui il fait n'importe quoi. Attends, non, s'il sacrifie pas par contre. Il sacrifie pas. Ouh, il sacrifie pas, donc on va s'occuper de KB Virus alors. Magnifique. Magnifique KB Virus qui n'a bientôt plus de points de vie, il a 435. Il a pas sacrifice. Ah oui, là c'est une erreur du sacrieur de ne pas avoir sacrifié alors qu'il était full vie. Et du coup, KB Virus va sûrement mourir par sa faute. Ah mais il y a contre-coup quand même. Mais ça on s'en fout, contre-coup. Contre-coup, donc en fait contre-coup il perd sa vita dans... Il va reperdre sa vita dans deux tours en fait. Donc en fait dans deux tours il sera mort. Voilà, donc là, l'Eka est mort. Il a 1800 PV, mais regardez. 1800 PV, mais regardez... Mais regardez quoi? Regardez... Putain, je comprends rien, là. Trop de trucs, là. J'arrive pas à suivre le combat, c'est super dur de vous faire suivre un combat comme ça. Il faut que je réfléchisse et tout, parce que c'est chaud. Bon, bref, voilà, il a fait contre-coup, l'autre, là. Ah, mais voilà, c'est lui. Voilà, il a un contre-coup. Mais lui, là, putain, mais il est sourd ou quoi? Ah mais non, c'est bon. Voilà, contre-coup, 1832 vita. Ah merde! Combien? 1832, il a 1838, il lui reste 4 PV. Oh la loose! Il va lui rester 4 PV. Il a trêve. S'il a trêve, ça veut dire que deux tours, plus personne ne peut se toucher. Ouais. Moi je me heal en attendant. Ouais, irréflexe, donc il nous regardait là. On perd encore de l'érosion sur les deux. Aïe aïe aïe. Vous regardez la vita max par exemple d'Inic Royal qui était de 4100 tout à l'heure, elle n'est plus qu'à 3397. Vous voyez? Et regardez 2500 PV sur la Eco Toxique. Putain, j'arrive pas à dire son nom. Là, il est toxique. Vous voyez, en fait, ça, voilà, c'est simple. Tiens, je pensais qu'on était en mode. Bon, c'est étrange. Je vais les remettre en mode pas de créature moche. Là. Ok, voilà, donc on retrouve tout là. Nickel. Pas mettre les armures aux deux, il a pas de chance lui.
Voilà. Donc là, on a récupéré toutes nos armures. Et voilà, tout simplement, on a récupéré toutes nos armures. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient nous enquiquiner. Ah, c'est bien joué. Et regardez, 2700 de vita. Et oui, là, regardez, putain, l'érosion, là, regardez, le Xel, il a plus que 1970 PV alors qu'il est full vie, tout simplement. C'est vraiment, vraiment dur, l'érosion. Là, il faut absolument qu'on tue les cas, il a plus que 347 PV. Je crois que ça va être mon boulot, tout simplement. La trêve est finie après... La trêve est finie après Inécorial, donc le sacré va sûrement sacrifice, ouais. Il va sûrement sacrifice. D'ailleurs, le sacrifice, ça me fait penser qu'il a. Voilà, râle le sacrifice, c'est parfait. Oh putain, on n'arrive pas à faire plus. Absolument qu'elle arrive, elle râle bien. Yes, moins 2 PA, c'est nickel. Elle va se manger encore un ralentissement. Nickel. C'est nickel tout ça. Il n'y a plus que 4 PA, il va pas faire grand chose, le pauvre. On devrait pas se mettre autant en découvert. Oh, 3 PA. Ouh, il y a 3 PA, ça fait bobo. 3 ça fait bobo. Alors, le FK, je sais pas trop ce qu'il va faire. Ah oui, ouais, c'est bien ce qui me semble. Et regardez, la Vita soignée à 1898. Regardez, elle perd pas de PV, hein. C'est un truc. Oh non, il a retrait. Putain, la dèche. Double trèfle, sérieux, ça. Ah oui, ils veulent absolument. C'est bien joué, hein, évidemment, c'est bien joué. Ils veulent absolument la tuer, la Xel, mais ça va être mon rôle, je pense, de l'empêcher de faire ça. Tout simplement, faut qu'elle soit hors d'atteinte des attaques des adversaires. Voilà, lui avec 5 PA, il va pas faire grand chose. C'est bien, il s'y régène, il est content. On a encore 2 tours à tenir sous trêve, ça va être dur. 2 tours à tenir. Alors, qu'a fait la roulette? 55 dommages. Ça change rien, de toute façon, sous trêve. Moi, je prends un peu d'érosion, mais je n'avais pas encore pris, donc ça va. Essaye le sacré aussi. Voilà, nickel ça. Encore un coup. Voilà, nickel. Et plus 2 ralentissantes. Ça réduit pas mal quand même. Voilà, il tombe à 5 PA et le FK. Oh putain, le FK il a encore tout ça. Mais pourquoi il en a pas fait 2? Ouais, il y en a 3. Putain, mais il aurait pu ralentir le.
Ce combat me gave, lui dit. Oui. Bah, c'est les, voilà, c'est les combats, hein. C'est beaucoup plus dans la réflexion. C'est sûr. Souvent comme ça, d'ailleurs, les gros combats, c'est souvent comme ça, en façon. Attendez, donc prochain tour. Voilà, donc là, on, franchement, on essaye de les ralentir. Ralentir du mieux possible. Moi, ce que j'aimerais faire, là, ça serait... ça serait tout simplement attirer le FK sur cette ligne. Qu'il soit loin du. Pour qu'il soit loin des autres, tout simplement. Ça, ça va pas être possible, mon coco. Là, tu te mets le doigt dans le nez. Mais ça veut rien dire. Tu te mets le doigt dans le nez. Fait la roulette 55, dommage, mais donc c'est deux fois la même roulette ou quoi là? Donc là ils ont décidé de passer à moi. Oui, tout à l'heure j'étais à combien? J'étais à 5000. J'ai 5200 vita de base et là je suis à 100% de ma vita et pourtant j'ai 3854 quoi. Truc de fou. Que va faire le FK, je me demande. Donc ça c'est fin de la trêve là après le FK. Ou même non, c'est déjà fin de la trêve là, je crois. C'est déjà fin de la trêve. Donc ça mois de... Oh là 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 là, ma vita. Je pourrais jamais punir par exemple, puisque... Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Bon, il dit qu'il termine les cas. Ouais voilà, donc là après le contre-coup il sera mort. Et le contre-coup qui se termine. Voilà donc Eka est mort en fait. À son tour, hop, il disparaît. Ça sert à rien de faire sacrifice mon coco. Est-ce qu'ils ont des résistances? Ouais, les deux. Ouais, les deux ont des résistances. Voilà, donc j'ai fait des petites absos sur le sacri. Et là, regardez les cas. Quoi? Mais pourquoi il est pas mort ce con? Putain, mais c'est quoi cette merde? C'est la fin du tour peut-être? Je sais pas. Oh là là, regardez ma vita. Mais tu vas mourir, oui. Ah, il meurt au tour d'après. Bon, allez, tant pis. Il meurt au tour d'après, mais regardez, j'ai plus que 2700 PV. Ça descend tellement vite là. Je me suis fait manger. Alors vous savez pourquoi moi je prends plus cher que les autres? Parce que en plus d'avoir pris réflexe, qui est ici, 45% d'érosion, c'est ce qu'on appelle l'érosion, la vita insoignable. J'ai aussi mes châtis qui m'en donnent 5 chacun, donc ce qui fait 45, 50, ça fait 55 d'érosion pour ma part. Voilà pourquoi ça descend encore plus vite que
s'il avait fait réflexe sur un Axel ou sur le VK. Donc moi c'est vraiment et même non, même pas 45, 50, même 60, puisque j'ai aussi le Chativita. Ah non, apparemment le Chativita ah ouais non, le chat, regarde ça, je savais pas, le Chativita ne... Mais... Chativita voilà, le Chativita, je savais pas ça. Il y a pas d'érosion dessus. Rien de Mimu, de toute façon je le fais pas. Sauf s'il y avait plus les trucs. Putain, c'est chaud comme combat. J'ai pas envie de mourir moi. Plus devant vous là. Comment il a fait? Ah oui, non. Sacrifice. Il pourra pas punir. Il pourra pas punir mon coco. Est-ce que t'as encore les boucliers? Ouais, pendant longtemps. Transfert de vie, c'est combien de PO? Oh là là, j'ai eu chaud. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mon tour il a failli se passer. Donc là, les cas, voilà, les cas est mort enfin. J'ai plus de châtiment. Voilà, donc là, on arrive avec un 2v3. Et j'espère que ce colis vous plaît, mais là, c'est vraiment différent des colis habituels, vu que je peux pas trop parler, mais je suis concentré comme un ouf. Comme un ouf de comme un ouf, là. Parce que, voilà quoi, faut pas faire d'erreur tout ça, donc parler en plus en même temps, c'est... Évidemment, là, quand je faisais des colis 1v3, bon, c'était pas si simple que ça, mais j'arrivais quand même à parler, à dire ce que je voulais faire. Et là, tout est réfléchi, tous les déplacements doivent être comptés, tout ça, donc en parlant, c'est vraiment chaud. Je dois avouer que j'ai un peu de mal quoi. Je vais mettre beaucoup de musique hein. Je vais vous remplir ça là, je vais mettre toute la musique que je peux comme ça. Fera passer le temps. Ok, donc moi j'ai plus trop de châtis. Ouais non, c'est bon. Donc là je vais cac. Il a fait quoi? J'ai pas trop vu. Il n'a pas fait grand chose. Très bien. Donc là le but c'est de tuer le sacrieur, je crois. Oui, le sacrieur. Il m'a fait quoi? J'ai pas vu. Donc il fait cac. Oh c'est gentil. Tu es gentil. Tu vas te manger des coups de cac. Je sais pas si je suis boosté, mais... Ah mais non, je suis pas boosté en fait. Oh la loose. Ah quand même un petit peu. Un petit peu boosté quand même. 400, 600. C'est à peu près ça. Faut absolument que j'arrive à l'atteindre. De toute façon, ça sert à rien de cac lui, vu que lui c'est moi. Ah mais non, il va se prendre puni le pauvre. Oh quoique... Punir... que cette merde. Putain, j'ai rien lu. Et merde. J'ai pas suivi. Et voilà, j'ai pas suivi. Comme ça, je suis passé pour un handicapé. Je suis passé pour un handicapé. Hein. Je tape l'immu. Oh putain, mais en plus lui il arrive pas à râler. C'est splendide là. C'est splendide. Moi qui voulais cac. Non, déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi, déplace-toi. Non, autre part.
Mais oui, moi aussi au début j'ai cru qu'il avait 400 PV et là j'ai vu 1400, j'ai pas compris pourquoi. Je pense que je dirais. Je pense que c'est. Je sais pas, je dirais ça, la vita insoignable qui a remonté. Vu que le l'Eka était mort. Je sais pas trop. Moi j'ai pas l'air d'avoir récupéré Ah non, non c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompé, ça peut pas être ça, vu que j'ai pas récupéré ma vita moi. Donc là je sais vraiment pas. Putain, moi j'ai 1600 PV. Moi. Oh putain, je suis cucu là. Là, je suis cucu les artichauts. Ok, il va faire quoi? Il va cac. Ah, c'est encore sacrifice, nickel. Allez, un 6CC, yes. Ah non, pas trop. Le FK, il a quoi? Je l'ai démonté. Je viens de lui démonter sa tête. Là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pris. Aïe, je me suis fait mal. C'est pris deux absos plus une punition. Je crois qu'il l'a senti passer. Pourquoi il peut pas? Mais non, c'est pourri ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on va pas s'en sortir, vous allez voir qu'on va mourir. Ouais, là faut absolument râler le Fekar là du mieux que possible, là, s'habiller du Xelor si tu veux. Fais quelque chose. Oh, putain, mais ah, son tour est déjà fini. Il a EC? J'ai pas vu. Ouais, mais il est plus sacrifice du coup, là ils sont deg. Il a pas les restes. Allez, meurs. Putain de merde. C'est bon. Normalement c'est bon là, je pense qu'il y a pas trop. Ah merde, il a 11 PA lui. Ça veut dire qu'il va tuer le. Il va tuer le Xel. Ah non, peut-être pas, même pas. Faire sa fête. Tu vas te manger des coups de cac. Et voilà, on a gagné le colis. C'était chaud, hein. On a gagné, là, ils sont cuits. Et voilà, donc vous avez pu voir qu'est-ce que c'était qu'un colis de THL. Donc voilà, hein, en cote, on est vraiment très très élevé, hein. Moi je suis par exemple je suis à 3 du premier Dofus je crois. Le premier Dofus il est à 2272 il me semble. Donc, je suis assez fier de ça, lui il est à peu près pareil, il est au même niveau. Donc on est vraiment du. C'est vraiment du très très haut. Et en face c'était des bons, hein. Il y avait quand même un grade 8, un grade 5 et un grade. L'autre je sais même plus qui c'était. Non l'autre il avait pas de grade je crois. Ah si Dio il en avait un petit je crois. Ouais je sais plus. Donc voilà, c'était quand même du lourd. Donc GG. Je leur dis GG. Je sais pas si faut que je voie ce que ça donne le rendu parce que vu que j'étais tellement concentré que. Enfin, on verra. On verra bien. Ma cote, elle doit pas avoir bougé non plus. Non. Ouais. Cotes qui sont dures à monter là, mais c'est sûr que là c'est de plus en plus difficile. Bon, sur ce, j'espère que ce colis un petit peu spécial vous a plu. Vous me dites hein, si vous voulez que je refasse parce qu'il y a quand même quelques combats. C'est un peu long à trouver, mais bon, dans l'ensemble ça va. Donc vous me dites dans les commentaires.
Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À plus, à bientôt. Ciao, ciao.